Euh, le sujet revêtement perméable, euh, on le traite en fait à Planticité depuis euh, bah, presque deux ans, parce qu'en fait, c'est euh, une, une étude qu'on qu a menée euh, bah, voilà, pendant, pendant ces dernières années sur, euh, euh, sur la caractérisation de, de ces méthodes d'aménagement en fait. Euh, et méthodes plutôt liées à la gestion des eaux pluviales, mais on verra que en fait, c'est des, 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 des outils et des, et des solutions techniques qui permettent de, de croiser de nombreuses fonctions en, en aménagement urbain. C'est en fait, une étude qui a été financée par Valor, donc qui est l'interprofession de l'horticulture en France, et par l'OFB, qui est notre, notre office français de, de la biodiversité. Donc voilà, alors là cette étude, elle, est, elle touche à sa fin parce qu'on est, on est en, en pleine réalisation d'un document technique euh, qui synthétise le, tous les résultats qu'on a, qu a pu acquérir pendant cette, pendant cette étude. Donc en fait, on a mené euh, à la fois une synthèse bibliographique euh, sur, euh, sur l'ensemble des documents qui pouvaient traiter de revêtements perméables ou de solutions techniques de gestion des eaux pluviales, et on a mené une enquête en France. Euh, en France et à, enfin à, tout, à tout public francophone en fait, euh, pour recueillir de l'information sur des sites euh, euh, hébergeant des revêtements perméables, ou alors pour collecter euh, la connaissance technique des acteurs et des professionnels de l'aménagement sur ces solutions-là. Euh, donc pour vous donner euh, juste quelques éléments de, de contexte, euh, en fait, euh, le, le, ce, ce sujet revêtement perméable, il s'inscrit dans euh, des des contextes aujourd'hui d'expansion urbaine et d'imperméabilisation des sols euh, qui sont de, qui sont croissantes en fait et qui vont alors en tout cas pour le, le contexte français on, on voit que euh, l'artificialisation des sols est, est plus rapide que euh, l'évolution démographique en fait donc on, on, on artificialise et on imperméabilise plus vite que, euh, qu que la population ne croît en fait donc, euh, donc ça, ça, ça génère de réels problèmes en fait au, au niveau du, de la gestion des, des eaux pluviales alors sur les eaux pluviales, le problème, c'est que euh, quand on imperméabilise, euh, en fait, on impose un mode de, de gestion euh, qu'on appelle chez nous euh, le tout tuyau. En fait, c'est-à-dire que on va euh, faire ruisseler les eaux pluviales, les, infil les, les récupérer dans, dans des tuyaux et puis les, les évacuer dans des, dans des, exu dans, dans des exutoires euh, via des réseaux d'aménagement. Euh, euh, et voilà de, de gestion des eaux pluviales très, très coûteux généralement euh, le fait de ruisseler les eaux pluviales euh, sur des revêtements imperméables ça risque euh, de générer des problèmes de pollution parce que le, les eaux de ruissellement peuvent se charger en polluants et de plus, à l'échelle de la ville, euh, avoir des, des, des surfaces imperméables et minérales, ça génère de, des problématiques d'îlots de chaleur urbain, euh, ce qui peut avoir un impact sur la qualité de vie des citadins, surtout en période, ben, en période estivale. Donc en fait, pour cela, il existe de nombreuses solutions de gestion des eaux pluviales, que vous voyez ici en fait, sur ce petit schéma. Euh, voilà, enfin vous, vous les connaissez toutes. Euh, et donc le, les revêtements perméables. Euh, alors que, donc là c'est cité sol pavé perméable. Nous on a préféré l'appellation revêtement perméable qui nous paraît un peu plus, un peu plus inclusive. Euh, donc voilà, ça c'est euh, un des exemples de solutions qui peut permettre euh, de gérer les eaux pluviales euh, à, à la source en fait. Euh, donc euh, alors pourquoi gérer à la source en fait ça permet euh, en fait de, de privilégier alors plutôt que là vous avez sur ce schéma plutôt que d'évacuer, euh, par ruissellement les eaux, euh, les eaux pluviales ou en les canalisant, en fait, on va euh, privilégier l'infiltration euh, directe des eaux pluviales euh, bah, là où la goutte va tomber en fait, ou au plus proche de là où la goutte va tomber. Euh, donc en fait, tout ça, ça permet de euh, limiter le ruissellement et limiter tout ce qui va être problématique eh bien, de, de, de gestion de l'eau à, à grande échelle. Alors comme j'ai dit sur la qualité des eaux, mais aussi là vous avez ici cette, cette photo. Alors ce n'est pas vraiment Angers, c'est juste à côté d'Angers, euh, mais là c'est bah, en ce moment même en fait euh, vous avez des grosses problématiques euh, d'inondation euh, au niveau de la Loire. Alors ce n'est pas euh, uniquement imputable à, à, à la perméabilisation des villes, mais euh, mais la perméabilisation des villes contribue à ce à ce phénomène en fait d'inondation. Alors au niveau des revêtements perméables, on constate qu'il existe un grand choix de solutions et d'applications pour les aménagements urbains, pour différents usages et différents contextes. Il y a une vraie opportunité de mutualiser les coûts et les fonctions sur un même ouvrage. Donc en fait, un même ouvrage peut permettre d'infiltrer les eaux pluviales, de servir de voie de circulation ou de stationnement pour les véhicules peut Servir de voie piétonne et peut servir à euh, végétaliser euh, éventuellement et à rafraîchir l'air, donc ça, c'est une, une réelle opportunité, c'est-à-dire qu'on euh, sur, un, sur un même espace, euh, le coût du revêtement en fait va permettre de, de, de remplir différentes fonctions. Euh, ce qu'on constate par contre, c'est que euh, à l'heure actuelle, euh, alors ça, c'est le cas pour, pour la France, mais un peu pour le, la plupart des, des pays. Euh, des pays européens, en tout cas, euh, c'est que ce sont encore des solutions qui, tont, qui sont très peu pri pri euh, privilégiées et démocratisées. Donc, chez nous, on enrobe encore beaucoup et on impose du, et on installe du béton euh, imperméable euh, dès qu'on dès qu'on peut. En fait, ça, ça reste la, la norme, en fait, malheureusement. Euh, et euh, alors, ce qui fait que euh, les collectivités ou les acteurs de l'aménagement ne se lancent pas trop vers ces solutions, euh, c'est que on constate des inquiétudes vis-à-vis -vis de la durée de vie. Euh, souvent, les acteurs supposent que ces revêtements imposent un entretien contraignant euh, et, que, euh, et que, ce sont, euh, et, et voilà, ce, leur avis, c'est que ce sont des solutions souvent assez coûteuses à mettre en avant. Euh, ce qu'on voit, voilà, c'est que euh, Enfin, on va voir par la suite, euh, c'est qu'effectivement, il, il y a des préconisations en termes de mise en œuvre, d'entretien, euh, mais qu'au euh, niveau des, des coûts de mise en œuvre, ça peut être tout, tout à fait intéressant de, de mettre en œuvre des, des revêtements perméables. Euh, donc c'était un peu la, la, la logique de notre étude, en fait, c'est de partir de ce constat-là pour euh, en définir vraiment une synthèse sur les solutions techniques euh, qui pouvaient se présenter euh, pour euh, voilà, faciliter et transférer le, la connaissance autour de ces solutions vers les acteurs de l'aménagement. Alors, les... donc, on peut citer de nombreuses fonctions et, et usages différents sur les revêtements euh, perméables. Donc, comme j'ai dit, ce sont vraiment des solutions euh, multifonctionnelles. Alors, un des, des rôles principaux qu'on va attribuer à ces, à ces revêtements, en plus de l'infiltration de l'eau, donc ça, c'est la fonction par, par défaut. En fait, tous les revêtements perméables permettent d'infiltrer l'eau en surface. Mais un, un des rôles principaux, c'est la fonction de support euh, en voirie. Alors à la fois pour les véhicules légers, mais aussi pour les véhicules lourds, euh, ça, voilà, ils permettent euh, la, la, de créer des, des voies piétonnes et euh, également des accès euh, pour euh, les PMR, donc les personnes à mobilité réduite. En plus de ça, on peut citer les fonctions environnementales, donc là j'ai dit l'infiltration de l'eau, mais aussi la capacité à accueillir du végétal. Euh, voilà, donc à végétaliser les, les, les centres-villes et euh, à euh, aérer le, le sol et pour certains revêtements donc euh, accueillir une, une biodiversité des, des sols actives. Donc là, on a j'ai listé quelques, quelques usages hein, que, vous, que vous avez ici euh, que la plupart des revêtements euh, peuvent, euh, peuvent remplir. Et là, sur ce schéma de, de, de droite, euh, c'est un diagramme de, de de vente euh, qui permet en fait de voir euh, comment euh, certains, euh, certains, certaines solutions de, de, de revêtement euh, se, se positionnent par rapport à différents usages. Donc là vous avez par exemple les pavés à joints élargis qui permettent de remplir euh, des usages de support de végétation, de voies piétonnes, de déplacement de véhicules, d'accessibilité au PMR. Donc là on voit ici qu'on a une grande partie de revêtement qui permet de, ré, de répondre à différentes solutions. Alors, comment fonctionnent les revêtements perméables euh, bah, Très simplement, en fait, ils infiltrent l'eau euh, là où, euh, où, la, où la pluie va tomber. Alors, ça, c'est le, le cas voilà, pour, pour cet exemple que vous, avez, que vous avez ici. Mais ils permettent aussi de capter euh, les eaux de ruissellement d'un revêtement imperméable qui va être à proximité. Là, vous avez ici une, une, un, un espace qui va être en enrobé euh, imperméable. Donc, là, le revêtement ici va permettre de capter l'eau qui va s'écouler ici. Alors ça, c'est important, en fait, pour, euh, quand on va définir euh, et concevoir l'aménagement, c'est-à-dire qu'en termes de perméabilité, il faut à la fois prendre en compte la pluie qui va tomber dessus et euh, prendre en compte l'eau euh, excédentaire qui va arriver par, euh, par ruissellement. Donc ça, on peut le définir au, au, niveau, euh, au niveau de, de l'impluvium. Donc là, par exemple, pour une pluie de 30 mm, donc là, c'est voilà, en, en l'occurrence euh, vraiment à cet endroit-là, euh, le revêtement, en fait, il doit, infiltrer, enfin, il doit être en mesure d'infiltrer 60 mm d'eau. Donc ça, c'est voilà, en, en guise d'exemple. Autre élément, les revêtements perméables peuvent être associés avec d'autres ouvrages de gestion des eaux pluviales, comme des nous. Alors on ne voit pas très bien sur la photo, mais là en fait, ici, donc vraiment au pied, au pied de la photo et puis entre les zones de stationnement, il y a une noue qui est en cours de végétalisation et qui permet voilà, de, de récolter les, les eaux pluviales excédentaires. Mais on peut associer ça voilà, à des bassins drainants, à des tranchées drainantes, etc. Autre élément, c'est que euh, la perméabilité, les revêtements sont perméables, euh, mais cette perméabilité va évoluer au cours du temps. Euh, c'est euh, à la fois le cas pour les revêtements, euh, un peu de cette manière-là, avec, euh, avec des alvéoles remplies de terre végétale. Donc on va avoir euh, bah, du compactage, euh, on va avoir des végétaux qui vont coloniser. Donc ça, ça va influencer sur, euh, sur la perméabilité du revêtement. Qui va tendre peut-être, pour certains endroits, à diminuer, là où on n'a pas trop de végétation, et à augmenter, là où on a vraiment un couvert en gazonné assez important. Et pareil, pour les revêtements, pour les revêtements enrobés, enrobés, drainants ou béton, ou béton poreux, par exemple, on peut avoir du colmatage qui peut arriver. Donc, ça, c'est important de, de l'intégrer dans, dans, dans la gestion qu'on va faire ensuite sur ce revêtement. Alors, euh, pour, pour cette présentation aujourd'hui, je vais, je, vais, je, vais voilà, je, vais, je vais la diviser en, en quatre grandes parties. Je vais commencer par vous présenter les différents types de revêtements perméables qu'on a définis, nous, dans le cadre de notre étude. Je vais ensuite évoquer quelques éléments autour de la perméabilité euh, très rapidement. Euh, vous présenter des, des pratiques, euh, des, des procédés de, de mise en œuvre et d'entretien des, des revêtements perméables. Et ensuite terminer par euh, une note plus végétale. Donc, euh, vous présenter le, les éléments autour de la végétalisation de, de ces revêtements. Euh, donc, alors autour des types de revêtements. Euh, en fait, au, dans le cadre de notre étude, on a défini. Euh, neuf grands types de revêtements perméables qu'on a euh, subdivisé en trois grandes catégories. Donc là, la première catégorie qu'on définit ici, ce sont les revêtements perméables non liés. Alors non liés, c'est parce que la, 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 le matériau en lui-même, en fait, il est, il est meuble, quoi. Il est pas, il est pas figé dans une matrice. Il est, voilà, c'est comme du sable, comme de la terre. Euh, et donc on définit trois grandes, euh, trois grands types en fait dans ce, dans cette catégorie. Alors tout d'abord les revêtements organominéraux végétalisés donc, ou euh, gravier végétalisé, gravier engazonné, euh, mais aussi les mélanges terre-pierre que vous avez ici. Euh, donc ça, c'est vraiment des solutions qui combinent euh, voilà, un substrat qui, qui tend à être euh, alors qui soit défini pour être végétalisé, donc qui contient une composante organique, soit un substrat minéral, mais qu'on va tendre à, à végétaliser par la suite, donc qui va euh, aussi tendre à, à s'enrichir dans cette fraction euh, organique, en fait. Euh, alors pourquoi gravier végétalisé En fait, c'est euh, aussi des, des, derrière des, des motivations à réduire les coûts de gestion. Euh, C'est-à-dire que plutôt que, de, euh, que de, de payer et de prendre du temps à, à, à désherber, surtout que maintenant aujourd'hui avec la loi Lab, euh, pour certaines collectivités c'est entre guillemets plus contraignant, plus contraignant à, à désherber. Euh, alors, loi Labé, c'est euh, euh, une loi qui interdit l'utilisation de, 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 phytosanit... enfin, de, de pesticides et de, et de phytosanitaires en, en aménagement public pour désherber. Euh, donc, là, elle va être en, étendue au cimetière, là, notamment en France. Donc, voilà, ça, c'est des solutions. Le, le fait d'engazonner, ça permet de, de réduire les, les coûts de gestion sur, ce, sur cette opération-là. Alors, deuxième. Euh... Euh, deuxième, deuxième grand type de, de revêtements non liés sont les revêtements euh, organiques. Donc là, vous voyez plutôt avec une composante euh, principalement euh, organique. Donc c'est con, constitué euh, de, euh, de copeaux de bois, par exemple de fragments, euh, de plaquettes de bois, d'écorces de, type pain ou type coco ou de, de matériaux divers type noyau, coquille ou coque. Donc ce sont des matériaux un peu moins euh, résistants dans le temps mais qui sont très peu coûteux. Et qui apporte une plus-value au niveau paysagère. Ces revêtements permettent aussi de, 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 de poser un revêtement en fait pratique pour les aires de jeu, pour les enfants, parce qu'ils peuvent amortir, amortir les chutes notamment. Les troisième revêtement non lié ce sont les revêtements minéraux type gravier-gravillon que vous avez ici, par exemple. Donc là, c'est voilà, en usage pour des cheminements de, de forêt ou d'espaces de, ou paysagers. Donc plutôt des mélanges argileux calcaires par exemple. Euh, là, vous avez ici euh, des espaces de parking qu'on va pouvoir combiner avec des dalles PVC pour maintenir le gravier en place et apporter de, de la portance, en fait, pour résister au déplacement des véhicules. Donc là, voilà plutôt gravier-gravillon, et également ici pour des zones de stationnement. Donc, on a d'autres solutions pour les revêtements minéraux qui peuvent être les mélanges type gore. Donc, ça, c'est de la terre rouge avec une granulométrie 0,30 qui a une forte plus-value paysagère également. Mais aussi, on peut apporter des graviers des graviers roulés ou des graviers concassés par exemple, on peut euh, voilà choisir des solutions qui ont un tri euh, homogène ou pas ou préférer par exemple la présence de fines. Alors, quand je dis fines, c'est euh, des très petites particules. Donc là pour les, pour les mélanges type 04 par exemple. Donc, là, la présence de fines ça va permettre de, de, euh, de renforcer la structure du, du revêtement, euh, ce qui risque de limiter éventuellement la perméabilité, euh, mais voilà, du coup c'est un, un compromis à choisir. Alors, deuxième grande catégorie, euh, ce sont les revêtements modulaires. Donc là, comme vous voyez, avec des éléments en fait, qu'on va associer les uns les autres. Et, euh, et donc, dans cette association, dans cette structure, on va avoir des espaces qui vont être euh, perméables. Euh, donc, je vais commencer par les pavés. Donc ces pavés adjoints pour eux ou les pavés euh, drainants ou les pavés poreux. Donc c'est soit, vous avez ici à gauche, des solutions où le pavé lui-même est... Euh, et drainant en fait, ils laissent passer l'eau. Soit vous avez des solutions où euh, dans leur association, alors des pavés à ouverture de drainage, euh, avec ajout de gravier ou de sable, en fait vous avez des interstices qui laissent passer l'eau. Là pareil pour des, euh, pour des pavés à joints élargis. Alors là on ne le voit pas sur la photo, mais en fait ce sont des pavés en, en béton qui présentent des petites... Euh, euh, des, des petits côtés euh, qui permettent en fait, quand, quand on les assemble ensemble, euh, de, euh, de générer euh, une jointure euh, assez large de quelques centimètres, qui peut, être, euh, qui peut être végétalisée par la suite et qui laisse passer l'eau. Euh, un des, alors ça, un des, des grands types hein, qu'on rencontre assez souvent aussi ce sont les dalles alvéolées végétalisés ou non, d'ailleurs, donc euh, qui sont constitués soit de, euh, de, de PVC, euh, euh, enfin voilà, de, 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 pla de plastique en fait, euh, qui peut être recyclé éventuellement, euh, soit ce sont, ça peut être des dalles euh, béton. Euh, qui peuvent être donc, euh, alors, végétalisés, comme vous le vous voyez ici. Ou alors, on peut aussi avoir des solutions un peu euh, hybrides. Euh, ici, sur des dalles PVC, on va pouvoir euh, soit végétaliser, soit mettre des, des pavés à l'intérieur des dalles euh, pour voilà, euh, pouvoir créer des espaces personnalisés. Là, vous avez par exemple une, pour une place de parking euh, réservée aux véhicules électriques. Et là, euh, vous avez ici des dalles béton. Ça, c'est assez particulier. Donc là, c'est vraiment la dalle qui est coulée en place hein, en une seule fois. Et en fait, on a, dans, au moment de la, quand on coule le, le béton, on a une, une structure qui va être percée par la suite pour pouvoir faire des ouvertures. Donc ça, c'est vraiment une, une dalle unique qui est, qui est pré, pré perforée Et troisième catégorie, euh, troisième type de des revêtements modulaires sont les platelages. Donc là, qui ont une plus-value paysagères et qui permettent en fait de, de créer des voies de des voies de cheminement et des, des voies de passage dans des, dans des espaces assez, alors soit accidentés comme ici avec, avec ces rochers sur les côtés soit des espaces de nature où on a peu d'intérêt en fait à mettre un revêtement vraiment au sol et on souhaite préserver le, voilà, les espaces qui se, qui se situent en dessous. Ça, c'est anecdotique, hein, les places de stationnement, on n'en retrouve pas beaucoup. Euh, donc, ça, c'est un, un site qui se trouve à Orléans. Euh, euh, c'est un, un, un site d'essai de plusieurs revêtements perméables. Donc là, voilà, il y a eu un test pour, pour mettre en place des platelages sur des zones de, de stationnement. Et la troisième catégorie, donc là, c'est trois, trois types de revêtements dans la mise en œuvre qui se ressemblent. Enfin, dont la mise en œuvre en fait, se ressemble beaucoup. Euh, ça, et puis ça, ça ressemble d'ailleurs à, à d'autres solutions techniques qu'on qu connaît, hein, comme les bétons ou les, ou les enrobés. Euh, donc là, c'est les revêtements perméables liés, avec vraiment une structure qui est figée, euh, mais qui va permettre de laisser passer l'eau. Et donc, c'est dans le mode de. de, de, de alors, enfin, dans la mise en œuvre du revêtement, on va euh, voilà, soit utiliser, alors ici, pour les bétons de résine. Euh, donc là en fait c'est voilà, tout simplement du gravier qu'on va figer à l'aide d'un liant euh, alors soit un liant hydrocarboné, soit un liant végétal et donc euh, dans cette euh, voilà dans cette conception euh, ce, le béton de résine va permettre de laisser passer l'eau euh, on peut alors ça soit voilà, pour les pour les espaces euh, les espaces de jeu on peut utiliser éventuellement euh, donc bon voilà, au niveau écologique c'est peut-être moins bon mais euh, un revêtement plutôt, euh, plutôt plastique ou plutôt euh, composite euh, qui va permettre de mieux atténuer la, la chute, euh, les, enfin, les, les chutes. Euh, autre, euh, voilà, autre exemple pour les, la catégorie des revêtements perméables liés euh, sont les bétons poreux. Alors la mise en œuvre des bétons poreux, c'est la même que celle des bétons, sauf qu'on va. Euh, alors c'est du coup c'est... Euh, euh, sable gravier et ciment euh, pour les bétons euh, traditionnels, sauf que là pour les bétons poreux, on va retirer la fraction sableuse. Et donc en fait, l'absence le, le, de sable, hein, eh ben, ça va se traduire par l'apparition la, de, de pores dans le revêtement, euh, ce, qui va, euh, ce qui va entraîner l'apparition la, la, d'une perméabilité. Euh, donc les, les bétons poreux peuvent être utilisés euh, là où on utilise des, des bétons traditionnels en fait. Donc euh, voilà, pour des, pour des espaces type euh, terrasse ou voie, ou voie piétonne, par exemple. Ils peuvent même être, être utilisés en voirie euh, pour des zones de stationnement euh, ou des voies à, à très faible circulation. Euh, autre élément, on peut utiliser aussi les bétons poreux pour euh, soutenir, alors qu'on peut mettre sous des dalles, ici là. On peut, on peut les mettre sous des dalles, euh, sous des pavés euh, drainants. Voilà, ça peut, ça peut servir en, en, comme une en, en sorte de couche de fondation en fait pour, pour soutenir un revêtement permanent qui se trouve au-dessus. Et enfin, dernier type, ce sont les enrobés pour eux. Euh, donc, comme les bétons, en fait, c'est la même mise en œuvre que les enrobés euh, traditionnels. Euh, donc, en fait, on supprime la fraction euh, sableuse qui va permettre l'apparition d'une porosité dans le, dans le revêtement. Là, pareil, en fait, on peut utiliser euh, ces enrobés. Donc, ça, c'est. Euh, alors, je ne sais, sais plus euh, c'est le nom de la ville, c est, c est, euh, je crois que c'est à Douai, dans le nord de la France. Donc, là, vous avez une rue qui, euh, qui était conçue à l'aide d'enrobés de, euh, drainants. Là, on voit, là, en, en pleine pluie, euh, l'effet euh, du. De la perméabilité sur. Là, on voit ici la présence de flaques, alors que là, sur la route, elles disparaissent, elles ont été infiltrées. Et pareil, là, à Lille, la construction d'une zone de stationnement en enrobé drainant également. Donc, voilà un peu pour, les, pour ces neuf types de, de revêtements perméables. Donc, là, je vais continuer sur, sur ma présentation en évoquant plutôt des éléments autour de la, de la perméabilité des revêtements. Euh, en fait, ce qu'on qu s'est aperçu dans notre travail, hein, c'est que euh, alors sur les sites qui ont été, euh, qui ont été observés par, par les répondants à, la, à, la, à notre enquête, hein, en fait, cette valeur de perméabilité elle était, elle était généralement très peu connue par les répondants, enfin par la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage, généralement, enfin plutôt la maîtrise d'ouvrage, ne connaissait pas très bien la, cette valeur de perméabilité. Je crois que c'est près de 90% de, des répondants qui ne, qui ne la connaissaient pas. Et c'est vrai qu'en fait c'est une, une notion qui n'est pas forcément facile à, à connaître quand on n'a quand pas la valeur vraiment sous les yeux. Euh, donc en fait comment, comment fonctionne le revêtement perméable euh, Pour compléter ce que je disais au début, euh, le revêtement perméable vous pouvez l'installer de deux façons euh, possibles. Soit vous installez votre couche de fondation et votre revêtement sur un sol euh, qui va être perméable. Euh, et donc là, en l'occurrence, vous pouvez infiltrer les eaux de pluie dans votre revêtement, dans la couche de fondation, puis directement dans le sol. Soit quand vous êtes sur un sol qui n'est euh, euh, pas assez perméable euh, ou vraiment imperméable, après ça, ça reste... Voilà, c'est pas non plus très fréquent. Euh, ou alors un sol pollué où on veut éviter l'infiltration. Euh, là, vous pouvez mettre en fait un, un géotextile euh, imperméable euh, qui va permettre d'envoyer de, les écoulements vers un exutoire. Donc là, on est, en fait, on a quand même un revêtement perméable qui va capter les eaux, mais on va quand même les rediriger, les rediriger vers un, un exutoire euh, dédié. Euh, alors, en fait, cette, cette capacité à infiltrer les eaux, elle se définit par le coefficient de perméabilité, qu'on définit en mètres par seconde, euh, ou elle peut se définir aussi par un débit d'infiltration. Donc, ça, généralement, c'est lié à, à un ouvrage parce que la valeur se, 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 se calcule en, en litres par mètre carré. Donc, quand on est par mètre carré, voilà, plus au, à, à l'échelle de l'ouvrage. Donc, ça, c'est une valeur qui est souvent con, communiquée par les, euh, par, les, par les vendeurs de revêtements, en fait. Euh, Enfin, voilà, les, les entreprises qui sont, qui sont en charge de, de proposer des revêtements. Euh, donc, là, ce coefficient de perméabilité, il est dédié au revêtement, mais il est aussi. Enfin, on a une valeur pour le revêtement en place, mais on a aussi une valeur pour la couche de fondation et on a une valeur pour le, le, le sous-sol en place. Donc, c'est important de connaître ces trois valeurs euh, quand, on, voilà, quand on va dimensionner et, et caractériser le, le site. Euh, et, euh, alors autre élément à, à bien connaître, c'est euh, la pluviométrie sur l'espace le, sur, sur considéré en fait, sur l'aménagement. Euh, voilà, voilà, quand on va concevoir et dimensionner l'ouvrage qui va intégrer un, un revêtement perméable, généralement on va se référer à l'intensité des, des événements pluvieux euh, sur, euh, sur le milieu. Euh, et se référer à euh, souvent des pluies de référence. Là, pour, euh, pour la ville de Paris, par exemple, la pluie de référence, c'est euh, 16 mm, si je ne si je dis pas d'erreur. Oui, c'est 16 mm. Et donc, en fait, la plupart des... des... Alors, 16 mm par heure. Et euh, donc, la plupart des, des aménagements, en fait, se réfèrent par rapport à cette, euh, cette capacité à infiltrer cette pluie de référence. Donc, soit euh, on va imposer à ce, que, euh, à ce que le revêtement puisse infiltrer la totalité de la pluie, soit à ce que le revêtement puisse infiltrer euh, euh, au moins 50% de la pluie, par exemple. Alors, quelques, euh, quelques valeurs euh, chiffrées pour, pour vous donner un, un petit exemple. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les revêtements perméables sont. Euh, alors, enfin, c'est <laughs> facile à dire, mais ils sont. C'est des solutions euh, techniques qui sont extrêmement perméables, donc qui, qui présentent des, des valeurs de perméabilité très importantes. Donc là, vous avez euh, voilà quelques exemples à la clé. Euh, les dalles gazon, euh, donc les dalles alvéolées euh, engazonnées, elles sont à 3, 10-3 mètres par seconde, donc ce qui correspond à près de 10 000 mm par heure. Donc, euh, 10 000 mm par heure, c'est euh, largement plus que, euh, que ce qu'une pluie peut tomber euh, en un an euh, sur, euh, sur le site. Euh, autre exemple, voilà, même, même des pavés poreux à 5,4-10-5 mètres par seconde, ça reste quand même très supérieur à ce qu'une pluie peut, euh, peut apporter en, en, en quantité d'eau. Euh, les dalles pavées offrent des perméabilités très importantes là, à 3,10-2, et même les, les bétons de résine aussi à 3,10-3 mètres par seconde qui, voilà, qui correspondent à 3600 mm par heure. Sachant que voilà, euh, euh, en, en climat, euh, climat euh, océanique dégradé par, à côté de danger, il, euh, il pleut 600 à 700 mm en un an. Donc, euh, donc là, voilà, ces revêtements peuvent, peuvent permettre d'infiltrer de grandes quantités d'eau. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pas, euh, comme, je, comme je précisais, ce n'est pas uniquement la... La, la quantité d'eau qui va pouvoir infiltrer le revêtement, mais c'est aussi euh, la couche de fondation qui va, se, qui va se trouver en dessous. Et là, ce que je vais vous montrer dans la, dans la, la partie mise en œuvre et entretien, euh, plus pour vous décrire en fait, la, la structure et la composition d'un revêtement perméable. Euh, en fait, euh, quand on parle revêtement perméable, on imagine le revêtement qui est euh, en surface, en fait, donc euh, les dalles, les pavés, euh, l'enrobé, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, euh, on a aussi toute une structure porteuse en fait, ou une couche de fondation qui vont avoir euh, différents rôles, euh, qui vont permettre, euh, alors, notamment pour la couche de fondation, euh, qui va permettre en fait, de tamponner euh, la grande perméabilité du revêtement qui est en surface. Donc voilà, là, comme je vous montrais précédemment, euh, le revêt les revêtements peuvent avoir des perméabilités très importantes. Donc en fait, la couche de fondation, on va, euh, on va, la, on va la, concevoir pour qu'elle puisse, euh, qu puisse, infiltrer en fait ces grandes quantités d'eau qui vont arriver. Euh, en fait, la couche de fondation elle va aussi jouer un rôle de stockage des eaux euh, pour euh, voilà temporaire, ce qui va limiter en fait euh, bah, le, le ruissellement, ce qui va limiter euh, le, les volumes d'eau qui vont être captés souvent en sortie de, en sortie de bassin versant. Euh, et voilà un der dernier rôle au niveau de la, la couche de fondation que vous, que vous avez ici. Alors, la, Elle peut être constituée soit de graves, donc de GNT, de graves non traités. Elle peut être aussi euh, constituée d'un mélange terre-pierre. Alors, le, la, le fait de, de mettre un mélange terre-pierre, ça permet euh, de… Euh, alors, quand vous avez un revêtement perméable végétalisé, euh, ça permet d'accueillir euh, la, la poussée des racines, en fait, dans, dans la couche de fondation. Et donc d'avoir une meilleure tenue du, du revêtement, euh, enfin de la végétation euh, sur le revêtement. Alors en fait, dans, dans, le, dans la conception du revêtement, donc là vous avez le, la, le sol en place, qu'on va appeler le fond de forme. Par-dessus, on va mettre un géotextile ou une géomembrane. Donc le géotextile lui est perméable, il va permettre d'éviter le, le transfert de particules entre la couche de fondation et, la, et le fond de forme. Euh, mais la géomembrane elle, elle est imperméable, donc ça va permettre de, de, de transférer. Euh, les eaux, les eaux d'infiltration vers un exutoire dédié. Ensuite, on va poser la couche de fondation qu'on va compacter. Donc La couche de fondation elle peut euh, s'étaler sur une dizaine de centimètres jusqu'à plus de 50 centimètres, en fait, selon les usages. On a remarqué que, euh, que pour des usages type voirie avec, euh, avec passage de véhicules, euh, on a souvent des couches de fondation de plus de 30 centimètres pour avoir une, une portance suffisante pour accueillir euh, le passage des véhicules. Euh, ensuite, euh, au-dessus de la couche de fondation, on va avoir un lit de pose ou une couche de réglage, ça dépend, ça dépend des termes. Euh, donc, ça, ça va être sur quelques centimètres pour permettre de euh, caler quand on va être euh, avec un, un revêtement type euh, pavé, type dalle, euh, pour euh, aplanir les dalles, éviter qu'il y ait trop de, trop de décalage entre elles. Et enfin le revêtement imperméable qu'on va poser en place, euh, et aussi voilà le, également les bordures et les maçonneries pour délimiter le, le revêtement euh, et voilà assurer l'intégrité de la structure euh, sur ces bordures. Donc là ici un, un schéma en coupe. Euh, donc ça c'est un exemple voilà de, 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 de l'alvéolée également. Euh, euh, donc ça c'est ce que j'avais récupéré sur sur le site de, de O2D. Euh, là on voit ici le, la couche de fondation. Et le lit de pose sur quelques centimètres. Euh, donc ça voilà, le, le lit de pose il, il, est, il est constitué d'une fraction euh, granulaire plus petite. Donc généralement, c'est du sable qu'on va, euh, qu va voilà, tracer à la règle, euh, compacter et, euh, et sur lequel on va poser le, le revêtement. Euh, dans les, pour les revêtements végétalisés comme celui-ci, Généralement, c'est un mélange... Alors, soit c'est des mélanges euh, tout faits qui sont vendus par, les, euh, par, le, par le poseur, en fait, par le, par le revendeur. Euh, mais généralement, ça s'apparente à de la, de la terre végétale. Donc, terre, terre végétale, pour, pour nous, c'est euh, voilà, un terme qui suit une norme assez, euh, assez spécifique euh, pour le contexte... Alors, je ne sais pas si ça, ça, ça s'applique au contexte belge, mais pour le contexte français, en tout cas, voilà, on, a, on a des normes qui, qui encadrent le terme terre végétale. Euh, au, niveau de, au niveau de sa composition et de sa, de sa qualité chimique. Euh, en fait, euh, ce que pour vraiment aller plus loin là, sur le, la, la question de couches de fondation et de, et de structure, euh, ce qu'on peut voir ici c'est que selon la, la méthode et le, selon le revêtement qu'on va utiliser, on ne va pas avoir le, le même type de, de composition au niveau, de, voilà, au niveau des, des différents horizons, des différentes couches. Euh, là, par exemple, pour des revêtements en dalles alvéolées, on va avoir une plus forte épaisseur en termes, euh, voilà, en termes de couche de fondation, en termes de, de granulométrie. Là, voilà, euh, du, du 40-80, vraiment, pour, euh, pour avoir une très bonne portance au niveau, de la, au niveau du passage des véhicules, par exemple. Euh, pour un usage euh, un peu plus... Euh, avec une fréquence un peu moins importante en termes de passage de véhicules. Là, ici, juste une couche de quelques centimètres avec des graviers et, euh, et, euh, et des graviers stabilisés par une, une dalle alvéolée PVC. Là, ça peut très bien suffire. Euh, voilà, là, je ne peux pas aller plus loin là, sur, sur ces exemples-là. Vous avez quelques exemples ici avec euh, béton poreux qui est mis en face. Donc, voilà, là, ça, ça peut très bien suffire pour un passage de véhicules assez. Euh, à faible fréquence, ou des, ou des espaces dédiés au déplacement des personnes à mobilité réduite ou des piétons. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, un exemple avec pavé à joint élargi en surface, posé directement sur un béton poreux. eux. Voilà, là, pour vraiment augmenter la, la perméabilité et, et la portance. Euh, voilà, der dernier... Euh... Enfin, Avant-dernier petit, euh, petit aspect sur, euh, sur les, les conseils euh, au, de, de mise en œuvre. Alors là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, en fait, je me concentre beaucoup sur euh, les dalles alvéolées euh, parce que on, forcément, on a beaucoup de références là-dessus. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, là, ce que je vous présente euh, souvent, ça concerne, euh, ça concerne la, la plupart des autres types de revêtements, en fait. Euh, là, là voilà, pareil, que euh, là, on, peut, on peut très bien euh, adapter ces, ces solutions là pour euh, aussi pour les enrobés aussi pour les, les bétons poreux, euh, également pour les pavés drainants donc, euh, donc, voilà, un, les dalles alvéolées ça reste euh, un peu cette, cette référence et puis, euh, et puis voilà c'est vrai qu'en l'espace d'un webinaire c'est peut-être euh, l'histoire voilà, de, de, de me focaliser sur, un, sur une solution technique. Donc là, pour, le, pour ce qui va être des bordures euh, qu'on va mettre sur les, sur les côtés du revêtement. Euh, donc là, vous, vous avez soit une bordure saillante, euh, voilà, vraiment pour définir un, un espace qui ne doit pas être passé par, par les roues d'un véhicule, par exemple. Mais quand on va avoir un, un passage euh, pour euh, les pneus d'un du, véhicule, enfin une bordure en trottoir par exemple, on, on, généralement, on va laisser 1 cm, enfin on va laisser le revêtement dépasser de 1 cm pour qu'il puisse, enfin pour avoir une, voilà, cette, un espace tampon pour absorber le, la, la, la compaction et le tassement du, du revêtement qui, qui pourrait arriver dans le temps. Voilà, pour, pour éviter de se retrouver avec, avec un revêtement qui, qui s'enfonce de trop. Euh, là, ici, il y a quelques règles de calpinage, en fait. C'est la manière d'associer les, les dalles entre elles. Donc, voilà, là, c'est pour, un, pareil, pour un, un revêtement modulaire. Là, vous avez ici un, un calpinage en quinconce, donc c'est-à-dire que voilà, on va, on va associer en décalé euh, les, les dalles alvéolées. Donc ça, ça permet d'augmenter la résistance physique en fait au roulement des, des pneus de voiture. Et vous avez aussi d'autres exemples vraiment un peu plus complexes. Voilà pour avoir une maille très résistante au, au alors c'est à la fois au roulement au cisaillement des pneus des des véhicules. Euh, donc ça, c'est solution voilà, pour les revêtements modulaires qu'on peut aussi appliquer pour euh, pour les, pour les pavés drainants, par exemple. Au niveau de l'entretien, euh, ce qu'on a vu dans notre enquête, c'est qu'on euh, euh, peut euh, vraiment cibler euh, des, des types d'opérations euh, qu'on va retrouver de manière euh, très fréquente euh, sur, la, sur la plupart des, des revêtements. Euh, alors, chaque revêtement va avoir un peu son, son itinéraire technique euh, euh, propre, en fait. Euh, je, je vais vous les montrer dans, dans la slide la d'après. Slide Mais globalement, sur les opérations qu'on peut retrouver euh, sur la plupart des revêtements, on va déjà retrouver le désherbage hein, qui va concerner presque 65% pour, des revêtements observés. C'est surtout pour les revêtements de, de catégorie euh, euh, revêtements modulaires ou revêtements non liés. Généralement, pour les revêtements liés, type béton poreux ou enrobé euh, poreux, là, ça, ça présente peu de, peu de problématiques. Euh, on a aussi la tonte, donc plus pour les revêtements végétalisés du coup, euh, qui a un poste important, euh, qu'il faut prévoir dans le temps. Euh, surtout, euh, donc généralement les revêtements qui sont euh, engazonnés, euh, c'est généralement des revêtements où il y a aussi du passage en termes de, euh, voilà, des passages de véhicules ou des passages, passages de piétons. Donc en fait, ce, 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 le roulement des pneus permet de limiter la, la croissance des, des végétaux. Euh, voilà, donc ça, ça permet en fait de réduire la, la fréquence de tonte qu'on va pouvoir appliquer sur un, sur un revêtement. Mais voilà, après, c'est selon, le, selon, les, selon les, les demandes des, des clients, souvent, euh, on, va, on va augmenter plus ou, moins, plus ou moins fortement la fréquence de, de tonte. Euh, ça peut monter à, à une dizaine de tontes par an, par exemple, sur certains revêtements gazonnés. Euh, troisième, euh, troisième opération qu'on qu va retrouver assez fréquemment, euh, bah, c'est le garnissage ou le rebouchage. Alors ça, le garnissage c'est principalement pour les revêtements type, type non liés comme, euh, comme les fragments, euh, les, les copeaux de bois ou les fragments de bois ou les revêtements minéraux euh, type gravier. Donc là forcément ce sont des revêtements pulvérulents euh, qui vont à, euh, euh, fluents donc qui vont avoir tendance à à se, à se disperser sur les, sur les côtés de l'aménagement. Euh, donc voilà, là, généralement, il faut prévoir un, un achat de, de matériaux pour, pour compléter, euh, général, généralement, c'est tous les, tous les 3-4 ans. Euh, pareil, aussi, on peut, on peut voir l'apparition d'ornières. Euh, euh, voilà, on n'est on pas, pas exempt de ce type de, de problème sur les revêtements perméables. Euh, généralement, les revêtements type liés, euh, voilà, comme les bétons poreux, enrobés en poreux, euh, peuvent être rebouchés euh, assez simplement en fait, euh, quand il y a l'apparition voilà, d'une ornière. Euh, le ratissage et le griffage, lui, concerne plutôt les revêtements minéraux non liés, ça permet de, de niveler la surface. Donc ça, c'est euh, un, un, un problème assez récurrent pour les grands parcs parisiens, par exemple, où on a des grandes surfaces en ensablés euh, et, et voilà, qui doivent être perméables. Et donc ça, c'est des solutions qui sont. Là vous avez un, 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 l'exemple du, du parc des Tuileries à Paris, euh, donc qui permet en fait de, de niveler la surface, euh, supprimer les aspérités et de retrouver une certaine perméabilité qu'on qu pourrait avoir perdue. Le balayage, soufflage et lavage à haute pression qui concerne aussi la plupart des revêtements, qu'on va appliquer, alors surtout pour le lavage à haute pression, qu'on va appliquer modérément. Généralement, on va, vérifier, on va, on va essayer de ne pas utiliser de, de, de lavage à haute pression sur, sur des revêtements qui sont de type pavé, pavé à joint sablé, euh, sableux pour, voilà, pour éviter la dispersion du, du joint. Euh, ou euh, ne pas appliquer aussi ça sur les sur les platelages, euh, parce que voilà, le lavage à haute la pression ça peut endommager le, le bois. Et enfin, euh, dernière solution qu'on qu peut retrouver sur les revêtements type euh, béton poreux ou enrobé poreux, c'est le décolmatage par pression aspiration. Là vous avez une petite photo ici du, de la machine. Euh, donc ça c'est voilà, un, un, un exemple de. De, de, de pression aspiration qui est faite sur un enrobé poreux donc en fait le, ça consiste à injecter de l'eau sous, sous haute pression puis d'aspirer euh, le sédiment qui va être décollé euh, donc ça c'est très bien pour les enrobés, les voilà les revêtements qui ont été colmatés euh, au cours du temps euh, ça permet en fait de regagner euh, une enfin de, de réaugmenter significativement la, la perméabilité qui pourrait avoir, qui pourrait avoir diminué euh, très rapidement ici, euh, donc là je, je vais pas plus rentrer dans le détail. Euh, ça c'est des éléments que, que, de toute façon, qu qui seront communiqués en fait dans le, dans le livrable qu'on est en train de, de terminer. Euh, c'est voilà, selon le type de revêtement. Euh, donc là je, voilà, je vous ai remis, remis toute la typologie euh, que vous avez ici. Euh, c'est que on va avoir, euh, voilà, on va avoir différentes, euh, différentes opérations qui vont être, qui vont être concernées. Par exemple, pour ici, les pavés drainants, on va avoir de nombreuses opérations qui vont être concernées. Le désherbage, le balayage, nettoyage à haute pression, le rebouchage, la tonte, etc. Par contre, pour d'autres vêtements, type l'attelage, là, on a plutôt juste un balayage régulier à mettre en place, plus éventuellement remplacement des lames qui peuvent être endommagées. Mais voilà, on peut voir que selon le type de revêtement, c'est plus ou moins demandeur en termes, en termes d'entretien. Pour finir, là, sur, cette, sur ce dernier point, je vais vous parler de la végétalisation des, des revêtements. Donc, les revêtements sont destinés, alors, pour la plupart, à être végétalisés, mais on peut observer pour certains une végétalisation spontanée qui peut arriver. Euh, mais alors, elle, peut être, elle, peut être, elle peut être, contrôlée en fait cette végétalisation spontanée. Des fois, elle peut être, elle peut être euh, voulue. C'est le cas par exemple des graviers avec couvert, spontané, des hein, graviers en herbe. Euh, donc est, alors, cette végétalisation elle concerne surtout les revêtements type organo-minéraux en premier lieu, euh, qu'on va végétaliser, végétaliser, par des mélanges de poacées, euh, graminés euh, avec ou non euh, présence de vivaces. Euh, alors, pour certains, là, on voit que euh, cette, pr cette présence de, de plantes spontanées, elle est peut-être pas toujours. Euh, euh, enfin, le rendu n'est pas toujours euh, euh, qualitatif. Hein. Là, par exemple, avec euh, la croissance de Géron, euh, qui donne pas un, voilà, un rendu très satisfaisant sur, sur, euh, par rapport à, à ça. Euh, donc, voilà, ça, c'est des revêtements qui nécessitent, comme le disais, des, des tontes assez fréquentes à croiser avec euh, l'intensité de, de passage de véhicules. Euh, ensuite pour euh, les autres solutions végétali végétalisées, euh, vous avez les pavés euh, à joints poreux euh, ou les dalles alvéolées euh, végétalisées, donc euh, type euh, alors les dalles béton ou les dalles PVC. Donc là pareil, on va privilégier des mélanges de graminées euh, ou de, ou, et euh, enfin, poissées. Euh, mais là on va pouvoir aussi euh, mettre en place euh, des espèces qui vont tolérer en fait euh, le, euh, alors à la fois le, le passage régulier des véhicules, à la fois le faible volume de substrats euh, et aussi euh, qui ont toléré la sécheresse. en fait. que Là, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, vraiment sur ces, sur ces espaces-là, on a un volume de sol vraiment en surface qui est assez faible, même si les racines peuvent, peuvent ensuite euh, s'ancrer dans la couche de fondation. En surface, ça reste quand même des conditions assez, euh, assez difficiles de culture. Donc, il faut vraiment privilégier des, des espèces qui puissent... Supporter ces, ces conditions. Euh, sans parler aussi de la sécheresse. Parce que là, vraiment, on n'a pas d'ombre ici, donc c'est des milieux qui sont très exposés au, au soleil. Euh, là, en fait, sur, sur l'évolution du, du couvert végétal, euh, ça, c'est une photo que j'avais prise sur un revêtement. Donc là, c'est le même. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la présentation, je vous ai montré une photo quand je vous ai expliqué le fonctionnement du revêtement perméable. Donc ça, c'est la même photo, quasiment au même endroit, en fait, en été. Donc ça, c'est un revêtement qui a été mis en place à Orléans. On peut voir, en fait, qu'en période estivale, eh ben, on a ce type de rendu qui peut, qui peut apparaître, ben forcément, voilà parce que le, le, le gazon sèche, il fait chaud, il fait sec. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce n'est pas, pas une fin en soi, parce que euh, si le, le collet en fait, au niveau des, au niveau des, des plants euh, résiste à la sécheresse et encore vivant, en fait, aux, aux, pluies qui, aux, aux pluies qui peuvent arriver ensuite en, en automne, en fait, le revêtement peut repartir et la végétation peut, euh, peut repousser. Euh, voilà. Donc, on peut ensuite euh, avoir un, un rendu euh, vert et, euh, et voilà, agréable, même si ça reste subjectif. Mais bon, voilà, ça, souvent, c'est important de pouvoir le communiquer au, à la maîtrise d'ouvrage hein, qui peut bah, se poser des questions, savoir est-ce que j'arrose ou non. Euh, mais voilà, ça, de, juste d'attendre les, les prochaines pluies, ça peut suffire pour, pour retrouver les, les fonctions euh, paysagères qu'on qu souhaitait. Euh, quelques espèces végétales, voilà, pour, pour terminer, là, je, je vois que le, le temps file. Au niveau des graminées, euh, donc voilà, très, très souvent... Euh, C'est des fétuques ou l'olium enfin par exemple, le qu'on gras qu'on va, qu va retrouver sur la plupart des revêtements. Euh, des vivaces pour euh, alors vivaces tapissantes pour les milieux secs, on retrouve très souvent du thym serpolé qui peut être mis en place. Donc ça, bah, le, le thym euh, qui est une qui résiste très bien au, voilà, au sol sec, qui résiste très bien aux conditions euh, euh, avec un faible volume de, de sol. Euh, autre exemple de vivaces tapissantes, qui sont les, les saponaires ou, les, ou la saguine, ben, euh, voilà, qui aussi euh, supportent très bien en fait, le, euh, le, les, milieux, euh, les milieux assez, assez pauvres en, fait, en, termes de, en termes de fertilité, euh, enfin assez pauvres en termes agronomiques. Euh, et également des choix de plantes d'ombre, hein, comme l'exine ou, euh, ou Isotoma fluviatilis. Donc voilà, là ça, ça montre un peu le, le large panel de d'espèces de, végétales qu'on peut rencontrer et à cela s'ajoutent les nombreuses espèces euh, spontanées euh, voilà comme les, toutes les astéracées qu'on va ou les enfin, astéracées ou, 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 ou graminées ou euh, euh, voilà qu on, qu on, qui, peuvent, euh, qui peuvent coloniser un milieu un milieu euh, urbain euh, voilà je vais finir euh, ma présentation ici euh, pour vous rappeler du coup que le euh, on, on a le, la synthèse technique qui est en cours de, vraiment de finalisation. Donc là, on est en train de, de travailler avec un prestataire infographiste pour, la, pour mettre en page ce, ce document. Euh, on espère finir la version numérique, en tout cas pour, pour le mois de février, euh, qui sera en, en ligne sur les sites de Planticité. Euh, donc là, dans ce document, on présentera euh, voilà, la typologie que je vous, que je vous ai présentée, mais plus en détail. Euh, là, c'est vrai que présenter neuf types, types de revêtements en une, en une présentation, ça reste toujours pas, pas très simple, mais, euh, mais voilà, là, là, il y aura en, tous les éléments euh, pour, chaque, pour chaque revêtement. Euh, et il y aura les, pres, les prescriptions euh, techniques sur la mise en œuvre, l'entretien, euh, le lien avec le végétal. Euh, alors, on traite aussi de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Euh, voilà, là, j'en ai pas parlé, faute de temps. Euh, on traite aussi des éléments de tenue dans le temps, de réparabilité du revêtement, euh, de possibilité de remplacer des, des, des éléments du, du revêtement, par exemple. Enfin, voilà, C'est euh, vraiment à destination de, de tous les aménageurs euh, urbains, que ce soit les collectivités ou les professionnels, euh, enfin professionnels du, du paysage, j'entends. Je, euh, voilà, qui présente voilà, un document qui va faire à peu près 70 pages, euh, qui présente euh, tous ces éléments-là. Donc euh, voilà, je. Si vous avez des questions, je peux, je peux essayer d'y essayer répondre. Merci. Super, Robin. Bah merci beaucoup pour cette euh, très bonne overview. Effectivement, c'est pas un exercice facile de résumer euh, tout ce travail en, en une heure de présentation, mais on voit déjà qu'il euh, y a quand même un grand intérêt. Il euh, y a plusieurs personnes qui nous ont déjà dit dans le chat qu'ils seront intéressé de d'avoir cette synthèse technique dès qu'elle sera disponible. Donc, est-ce que tu peux nous mmh. dire, tu as dit que les livrables seraient euh, mis en ligne sur le site de Planticité et donc ils seront en accès libre ou alors il faudra euh, les commander euh... Euh, Alors, euh, du, Par contre, euh, là c'est plus Parce qu'en fait, sur le site de Planticité, nos ressources elles sont généralement réservées à nos adhérents. Euh, mmh. Je ne sais pas si Adalia, du coup... Euh... Bah, nous, on euh... est adhérents, mais après, peut-être bah, que les ouais, communes du... peuvent devenir adhérents. Ah oui, pour les pour les communes. Alors, euh, généralement, so... ces livrables, ils sont accessibles même aux non adhérents, mais euh... c'est vrai qu'il faudrait, cette... faudrait que je vérifie ça avant de avant de dire des bêtises. Mais généralement, enfin, tout, tout... Enfin, les... les études qu'on mène avec Valor, euh, voilà, généralement, elles sont... Elles, sont disponibles à... elles sont disponibles, à tous en fait, même si vous n'êtes pas adhérent. Euh... À -cité. Ok, super. Euh, je pense qu'on va prendre déjà euh, les quelques questions qu'il y avait dans le chat, et puis ensuite euh, Célia, ma collègue Célia euh, passera mmh. la parole éventuellement aux gens qui lèveront la main. Euh, alors on avait on a commencé avec euh, une question d'une personne qui se demandait quel était le coût énergétique euh, des différents revêtements. Euh, donc j'imagine que c'est assez variable, mais quels seraient selon toi les moins énergivores à la fabrication? À la fabrication. Euh, ça, c'était une, une question qu'on avait posée dans l'enquête. Euh, alors, plutôt sur le bilan, en euh, termes de bilan environnemental, même si, si c'est une question un peu. Un peu on, peut, on peut tout mettre dedans. Euh, ce qu'on voit, c'est que bah, forcément, euh, les revêtements euh, qui sont tout de suite euh, composés de. Euh, de, de PVC euh, ben, ont on, on une on empreinte environnementale. Alors même si certains fournisseurs essayent de concevoir des, des revêtements avec du PVC euh, euh, recyclé, euh, mais bon, voilà, ça, ça il faut, il faut l'avoir en tête. Euh, tout ce qui va être revêtement type, euh, team gravier, type euh, béton, bah, euh, voilà, ça, voilà, c'est, ça, utilise des ressources, euh, des ressources naturelles euh, qui proviennent de carrières. Donc euh, aussi euh, des, des choses à avoir en tête. Et euh, ce qu'on essaie de faire maintenant, euh, c'est que certains essaient de réutiliser. Euh, donc avant ça, on, on, à planté cité, on, on travaillait dessus, mais, mais pas pas lié au revêtement perméable. C'est que pour la construction de sol, euh, comme les, les revêtements perméables pourraient aussi être conçus à partir de déchets ou de délaissés urbains. Donc, ça, c'est des pistes qui restent à, à envisager. Euh, mais voilà, en fait, c'est vrai que souvent, les, la, la plupart des revêtements perméables utilisent quand même des ressources, euh, des ressources naturelles, euh, pas toujours renouvelables. Sauf ouais, peut-être ouais. pour les revêtements euh, type organique, où là, bah, c'est des écorces, c'est. Euh... C'est des fragments de bois, donc là on est, on est dans des matériaux un peu plus renouvelables, ou comme les platelages aussi par exemple. D'accord. Euh, au niveau de, du, de, de, du béton poreux, est-ce qu'il euh, est, qu est plus sensible au gel Et de façon plus générale, est-ce que les revêtements perméables sont plus sensibles au gel Oui, euh, alors... Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, euh, quand il pleut sur un, sur un revêtement perméable, en fait, l'eau euh, s'infiltre euh, tellement rapidement que euh, généralement, elle n'est enfin, pas concernée par le gel. En fait, quand il pleut, le, le gel arrive ensuite trop tard pour pouvoir euh, geler en fait l'eau qui se trouve dans le revêtement et euh, risquer de, de, de générer des, des fractures en fait. Il euh, y a après un autre élément, c'est que, euh, que alors ça, du coup il faut faire attention à ne pas avoir un revêtement, un revêtement colmaté ou, euh, ou, euh, ou trop tassé, parce que là du coup si on a de l'eau qui stagne en surface, effectivement là ça peut générer ce, ce type de problème. Mais quand on a un revêtement qui fonctionne bien, ça, normalement, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne génère pas de, de risque. Euh, un autre élément, c'est que, euh, la, la, en fait, dans la porosité, les, les revêtements type béton poreux sont, voilà, présentent assez de pores pour permettre, en fait, l'expansion de l'eau en cas de gel. Donc, il permet, en fait, d'éviter euh, aussi la, euh, la, la fracturation. D'accord. Donc s'ils sont suffisamment drainants et suffisamment poreux, ça ne devrait pas être euh, un voilà, facteur limitant. Donc voilà, effectivement, donc là, euh, il faut, faut le vérifier. En fait, que le, 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 fonction, le, le revêtement fonctionne bien, mm -hmm. euh, enfin, qu'il infiltre bien les eaux en, en cas d'événement pluvieux. Mais, euh, mais voilà, en fait, les revêtements sont suffisamment perméables pour, euh, pour ne pas être concernés par les problém problématiques de gel. OK. Euh... Il y avait une personne qui se demandait, euh, en cas de sol imperméable et pollué, combien de temps un géotextile peut tenir? Et est-ce qu'il y a vraiment des géotextiles euh, réellement biodégradables Alors, c'est euh, peut-être euh, c'était plutôt une géomembrane, en fait, quand on. Quand on... Mais je, je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit, en fait, géotextile, c'est perméable, donc c'est pour infiltrer les eaux. Euh, en fait, c'est une géomembrane euh, qu'on va utiliser pour, euh, pour dévier les eaux. Euh, Au-delà d'un sol pollué. D'accord. Euh, en parle fait, de deux choses différentes. Voilà, c'est ça. Mais en fait, que, quand je l'ai dit, je m'en suis rendu compte. Mais en tout cas, euh, sur, la, sur la, la tenue dans le temps de, de la géomembrane, en fait, elle, elle dure aussi longtemps que, que, le, que le revêtement en place, en fait. D'accord. Donc euh, souvent, voilà, c'est la, la, la durée de vie généralement de, de ces revêtements, ça va être euh, euh, de alors enfin bon, c'est vraiment à la louche de de 20 à, à 40-50 ans. Euh... Mais, euh, enfin plutôt 40 ans euh, mais voilà en fait le, la géomembrane va pouvoir tenir euh, aussi longtemps que, que le revêtement ok super euh, ce qui est cohérent euh, et on a eu plusieurs questions sur la végétalisation dans les, dans les dalles de béton engazonné mmh. euh, à savoir euh, est-ce que, est que ça pousse vite, est-ce que ça pousse aussi vite qu'une pelouse traditionnelle euh, et comment on peut la faire redémarrer euh, si jamais elle, elle s'étiole. Alors euh, oui, en fait, ça, ça, ben, ça, ça pousse. Euh, là, les, les, les retours qu'on avait eu sur les quelques exemples, ben, notamment à Orléans, euh, c'est que euh, alors il y a eu un, un semi plus un arrosage euh, par, euh, par l'entreprise qui a installé le revêtement. Hein, donc, euh, donc là, forcément, vu qu'il y a eu un très bon suivi sur l'engazonnement, le, sur ben, en fait, le, il s'est fait. Euh, alors je ne pourrais pas dire qu'il s'est fait plus rapidement ou moins rapidement qu'un un, un autre euh, gazon parce que ça doit dépendre du site mmh. mais en fait voilà le, le couvert végétal a pris, euh, a pris très rapidement euh, alors par contre euh, alors, voilà, pour les dalles alvéolées ça c'est ce, ce, voilà, ça qui ça, 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 ça pousse assez rapidement euh, par contre quand j'évoquais les graviers engazonnés où on va laisser là, la, la, la végétation spontanée s'installer là ça peut prendre ça peut prendre ça peut prendre, ça peut prendre 3 à 5 ans à avoir, avant d'avoir quelque chose de de, de, de vraiment de, couvrant, de vraiment voilà couvrant. enfin j'allais dire qualitatif, mais bon, ça reste subjectif, mais voilà de vraiment couvrant euh, euh, à l'instar d'un 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 couvert en herbe en fait. D'accord. Et, euh, et au niveau de ces entretiens de, de revêtements qui sont perméables à la végétalisation, est-ce que, euh, est que ça peut se faire également par euh, de l'écopâturage ou du pâturage, ou alors est-ce qu'il y a euh, certains revêtements sur lesquels c'est à proscrire euh, Sur les coupes, alors je... là, je pas de j'ai pas d'éléments pour répondre. Euh... Je ne je, je, enfin, je suis pas expert en éco-pâturage, mais, euh, mais à ma connaissance, euh, à ma connaissance ça n'a jamais été fait. Enfin, vraiment sur ce qu'on va appeler un revêtement perméable. J'imagine enfin, que ça peut être fait que sur les mélanges de type euh, terre-pierre, sur les grandes surfaces végétalisées. Euh, mais euh, mais je n'ai pas connaissance de ça. Je, je suppose que oui, hein, parce que si, voilà, si, euh, si la si on pratique là, je, enfin, je, je, il y a un exemple qui est c'est le, le parking du, du stade de Lyon qui est un, en fait c'est du mélange terre-pierre sur plusieurs hectares quoi. et donc là vraiment on a, on a la, la végétation qui va pousser toute l'année et vu que le stade est utilisé enfin, que pour les événements footballistiques donc c'est une fois toutes les x semaines. Donc voilà, en fait, ça, ça crée un espace de biodiversité euh, en attendant, en attendant les matchs de foot. Mais euh, bon, il bon, n'y a pas d'écopâturage, mais voilà, c'était pour, pour faire un peu le lien avec euh, peut-être une, une, une gestion un peu plus écologique euh, d'un parking. Mm -hmm. Donc, il y a une gestion extensive euh, qui est ouais. possible. Mmh. Après, euh, c'est vrai que moi, je me dirais que pour l'éco-pâturage, il faut quand même aussi que la nourriture soit en quantité suffisante et suffisamment qualitative pour qu'il y, un... qu y ait un éleveur qui soit prêt à mettre ses bêtes dessus. Donc, euh, je pense bah, que faut... les, ouais. les parcelles euh, qui seraient ça. vraiment euh, pertinentes pour ce type de projet seront assez limitées, mais. Mmh. Et puis il faut pouvoir aussi délimiter l'espace, le... délimiter j'imagine. Mmh. C'est peut-être euh, pas, pas toujours très simple sur un espace type parking. Oui, c'est vrai. Sais pas je ne voilà, connais pas très bien. <laughs> Mais a priori, en termes de portance, euh, ce, ah oui, oui, les, oui. les revêtements sont capables de, de, de supporter la charge de bétail. Ah oui, oui, bah oui là, je pense, oui. Oui, parce que si ça, ça peut supporter le poids de, de véhicule <laughs> de poids lourd, mais euh, euh, oui, oui par, oui, par contre, sur la portance, il n'y a pas de problème. OK. Euh... Il y a une personne qui demandait... Alors, je vais retourner à la question parce que je ne l'ai plus bien en tête. Euh... Est-ce que... Est-ce que une, cette démarche est-elle alors complémentaire à ce qui a été fait par Adopta Je ne sais pas si tu connais le, le projet oui. euh, Adopta. Mm -hmm. euh, alors là, je vois pas très bien de quoi, à quoi euh, vous faisiez référence, Sandra, pour la démarche. Est-ce que c'était juste la démarche des revêtements euh, perméables ou quelque chose de plus spécifique euh, pour, bah, pour compléter, en fait. Euh... Enfin, L'adopteur a participé à ce travail. On a, tra on a travaillé beaucoup avec Jean-Jacques Quérin qui est le, qui est le président, mm -hmm. euh, qui faisait partie du comité de pilotage de cette étude et qui a, qui a aussi contribué à la relecture du, du guide. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'est un, tra un travail qu'on a, euh, qu a mené avec le RED. Alors l'adopta ils sont plus en accompagnement. Alors si je, je dis pas d'erreur, mais est-ce que crois tu que peux que rappeler pour, euh, pour la, les ouais, Belges ce la... l'adopta Parce que, que ça... c'est une, une association euh, euh, je... sur euh, sur l'accompagnement des coll... enfin, qui qui va accompagner les collectivités sur la mise en œuvre euh, de pratiques de gestion de, des eaux pluviales euh, intégrées en fait euh, à la source et donc euh, qui va fournir de la documentation et des conseils sur euh, sur ces ouvrages là. Donc ça peut être le revêtements perméable, mais ça peut être aussi euh, tout ce qui va être euh, une tranchée drainante ou bassin de rétention ou nous, etc. Et donc euh, ils, ont, voilà, ils, ont, ils ont travaillé aussi sur, sur, euh, sur, une, enfin, sur, sur le revêtement perméable euh, en définissant quelques, quelques grands principes et des conseils. Ils ont animé des webinaires l'année dernière. Euh, justement euh, bah, pendant le premier confinement, je crois. Euh, donc, les, ils ont des vidéos disponibles sur leur site euh, et ils ont un webinaire dédié aux revêtements perméable donc, euh, euh, donc, voilà. En fait, leur, euh, leur, euh, voilà, du, du coup, leur, leur démarche, en fait, elle croise la nôtre euh, parce que c'est vraiment un travail, un travail en commun qu'on qu a mené. D'accord. C'est bien ça ma question, je, je prends la parole, mais en fait c'est parce qu'on a suivi, on a collaboré beaucoup avec AdoptA par le passé, et c'est pour ça que je me suis aussi intégrée à ce de pour voir s'il y avait des informations complémentaires ou supplémentaires pour aider nos communes à aller de l'avant dans la démarche, mais je vois que c'est quand même plus poussé et plus technique encore que les fiches qui ont été générées à l'époque par AdoptA. Euh, voilà c'était ma question et de savoir s'ils avaient été à, 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 à inclus dans la démarche aussi donc, oui bah oui non mais on, on a inclus l'adopta on a on a travaillé aussi avec d'autres structures euh, en fait euh, qui se trouvent en France on a le on a le GREI, qui est aussi une association qui se trouve plutôt à à Lyon euh, on a le pôle Dream euh, sur Orléans et puis après quelques collectivités à qui on a travaillé comme Lille comme Orléans euh, voilà donc différents euh, Différents acteurs. On a aussi la, le bassin, euh, les agences de l'eau euh, qui ont aussi euh, contribué à ce travail, euh, des paysagistes euh, et, euh, et des collègues qui se situent en, en, en Suisse, euh, donc euh, des collègues de Planticité Suisse, et, euh, et aussi une structure, euh, une association pour euh, l'adaptation des, euh, des espaces publics pour les personnes à mobilité réduite qui se situe aussi en Suisse euh, qui a pu apporter son expertise sur, euh, sur plus l'aspect euh, accessibilité au PMR Ok, merci beaucoup Super Je vais juste prendre, euh, poser les, les deux dernières questions qui se trouvent dans le chat avant de passer euh, aux mains levées parce que je vois qu'il y a déjà une personne qui, euh, qui veut poser une question euh, Alors je pense que ce sera assez rapide Est-ce que tu peux donner une, une précision à la fin de ta présentation tu as, as parlé de la, la saponaire euh, Est-ce que tu voulais dire la saponaire officinale ou la. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, osimoïde. Euh... <laughs> ouais, <c 'est> <laughs> ou alors, c'est peut-être un peu. Je ne sais plus, oui, j'avais mis saponaire, mais je je pourrais purcier... je sais plus. Non, je ne je pense pas que ce soit l'officinale, d'ailleurs. Euh... Oui, la, la personne de... le... avait l'air de dire que je... c'était serait non, plutôt je... l'osimoïde. D'accord, de... ouais. je ne le prononce je Je pourrais pas préciser, désolé. Ok, pas de problème. Et euh... oui, elle dit que c'est bien ça. Et donc, euh, simplement, euh, on a parlé de, des géomembranes. Euh, Est-ce qu'il y en a toujours besoin dans tous les revêtements Non, euh, non. Ça... Les géomembranes, en fait, elles sont euh, nécessaires que quand on va, euh, que quand on souhaite euh, rediriger les écoulements, vers un, un autre vers un exutoire en fait quand on veut limiter l'écoulement le, le, en profondeur mais sinon non, on n'utilise pas de géomembrane c'est du géotextile qu'on va, qu va mettre souvent sur plusieurs couches ou des géogrilles Alors, géogrilles c'est spécifique souvent pour les bétons poreux ça permet d'augmenter la portance mais euh, voilà Donc, la, la géomembrane est uniquement quand on veut, quand on veut dévier les, les eaux d'infiltration ok D'accord, c'est clair. Euh, Célia, est-ce que tu passes au. Oui, tout à fait. Euh, J'ai juste identifié quand même euh, deux, trois autres questions euh, au début du webinaire. Il mm -hmm. euh, y en avait une notamment qui demandait comment connaître les indices de pluviométrie par ville. Si, mmh. à mon avis, ce sera peut-être différent entre la France mmh. et la ouais, non, ça dépend. Oui, ça dépend. Alors, euh, savoir que. Alors, en tout cas pour le contexte français euh, toutes les villes n'ont pas forcément de, de démarche de caractérisation de comment dire de de, de de caractérisation de la gestion des eaux pluviales en fait mm -hmm. euh, en, enfin en tout cas les, les grandes villes en ont en fait elles ont euh, donc ça c'est inscrit souvent dans les plans locaux d'urbanisme donc les grandes villes et les collectivités qui qui ont un, ce, ce plan là en fait généralement euh, ont ont des espaces dédiés à tel ou tel type d'aménagement et puis peuvent orienter les aménagements en fonction des, de la gestion des eaux pluviales. Et après on a d'autres documents de, de gestion qui sont alors le terme c'est document bah, document ça doit être gestion aux pluviale je crois enfin, ça, ça permet en fait d'aiguiller sur voilà tel espace doit être perméable à attendre pour enfin attendre par rapport à, à, à tel puits de référence mais souvent voilà il faut se il faut se tourner vers vers les collectivités en fait qui euh, enfin vers les documents d'urbanisme de, de, de telle ou telle collectivité okay. et comme je le pensais oui une personne vient de, de préciser que pour la Belgique il y a le site de l'IRM qui permet de d'avoir une idée mm -hmm. bon pas par ville mais euh, en tout cas euh... Par, par... Voilà. Pour ce qui est de, juste pour rappeler, enfin euh, pour euh, compléter en fait l'exemple de, alors Paris et Lyon notamment en fait mettent en place, euh, communiquent beaucoup sur ces aspects-là. Euh, ce qui, moi, moi ce qui m'a permis de voilà de, de compléter ma, ma présentation. Euh, donc en fait, ils proposent des guides sur euh, sur sur leur gestion de l'eau pour expliquer, expliquer comment comment se passe leur gestion de l'eau mm -hmm. avec euh, avec cette cette idée de spatialiser euh, spatialiser leur euh, le, la ville par rapport à, au, à ce potentiel d'infiltration qu'on veut, qu veut appliquer. Okay. Euh, il y avait une question, bon ça c'est plus pour nous donc je vais y répondre assez vite, euh, qui, demandait, enfin, qui disait qu'on ne voyait pas beaucoup de services urbanisme de communes wallonnes dans les participants et est-ce qu'on les avait sollicités ou sensibilisés euh, Il faut savoir qu'en fait on envoie euh, l'invitation à toute notre, notre listing de communes et ben, principalement les concernés, donc euh, tout ce qui est services environnement, urbanisme, travaux, etc. Donc, oui. Et puis, on va de toute façon euh, continuer la sensibilisation au revêtement perméable, euh, à l'infiltration des eaux pluviales, etc. etc. Donc, pas de souci à ce niveau-là. <laughs> S'ils ont raté ce webinaire, de toute façon, euh, ils pourront le revoir. Et une dernière question du chat, et puis je passe aux mains levées. Il euh, y avait une question qui concernait les coûts et les fréquences des entretiens dont vous parliez à la fin, donc mm -hmm. tout ce qui est désherbage, etc. Est-ce que vous avez une idée Oui. Alors ça, je ne l'ai pas précisé plus que ça dans cette présentation euh, pour, pour ce qui va être des, des coûts. Alors les coûts d'entretien… Euh, donc, enfin, en fait, dans, cette, dans notre étude, on a caractérisé les coûts de mise en œuvre et les coûts d'entretien. Donc les coûts de mise en œuvre, on a pu les obtenir euh, assez euh, un peu plus facilement euh, pour la plupart des revêtements. Par contre, les coûts d'entretien ont été plus compliqués à définir, parce que généralement, on, on voit que c'est souvent euh, 1 euro. Euh, Enfin, c'est très généralement 1 euro du mètre carré mais bon ça, du coup sur une petite échelle comme ça ça peut être assez variable euh, surtout quand on traite de, de, de grands espaces euh, quand on, là pour, par exemple pour euh, l'exemple qui avait été cité à, à Douai en fait sur le, sur le décolmatage par pression aspiration euh, donc ça c'est une, une technique qui est assez coûteuse. Mais en fait, ce que la ville a fait à ce moment-là, c'est que euh, quand, ils ont, quand ils ont sollicité l'entreprise pour faire ça, ils ont profité pour, euh, pour faire un... Enfin, pour décolmater de nombreuses surfaces en fait, hein, ce qui permet en fait, de, de réduire les coûts parce qu'il y a beaucoup de charges fixes dans, le, dans les entretiens donc en fait plus vous faites un, une, une intervention sur une grande surface moins ça vous coûte cher au, au mètre carré et en fait cette, ce décolmatage euh, bien que coûteux en fait, ils se sont rendus compte qu'au mètre carré voilà, ça, ça a coûté euh, moins d'un moins euro en fait. euh, donc euh, ben, voilà ça c'est quel, quelques quelques éléments sur tout ce qui va être euh, désherbage tonte euh, souvent, bah, c'est la, la collectivité qui va mettre ça en place. Donc ça, c'est les coûts euh, associés au, au matériel. C'est les coûts associés à la, à la main d'œuvre pour, pour mener ce, ce type d'opération. Euh, et tout ce qui est euh, alors, garnissage, rebouchage. Donc là, euh, il faut aussi prévoir l'achat mat euh, du, du matériau, euh, comme euh, comme voilà le gravier ou le ou le ou les ou les copeaux de bois par exemple donc ça voilà au, alors, euh, je crois que pour 100 mètres euh, carrés si voilà on, on doit être je sais plus aux alentours de 10 ou 15 euros 100 mètres euh, carrés donc voilà ça reste quand même assez 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 faible comme coût euh, mais voilà souvent ce qui ce qui va être important c'est le, le temps d'entretien en fait derrière et les fréquences euh, c'est surtout ça. Généralement, les, les techniques sont pas très coûteuses, mais c'est euh, voilà, la fréquence de passage qui peut être euh, qui, pas forcément importante, mais qu'il faut euh, absolument prévoir euh, au moment de la conception. Donc, euh, voilà, du coup, sur, sur l'entretien, on n'a pas de, de vraies valeurs euh, euh, oui, bah, oui, mais... bien, bien carrées parce que c'est tellement variable que, que ça, en fait, ça, ça a été très difficile à, à estimer. Okay. Super. Et alors, euh, je vois la main levée de Charéline. Donc, vous pouvez prendre la parole. Dans la discussion, je posais une question sur les dalles de béton engazonnées. Donc, nous, on en a mis dans différents endroits. Mais alors, euh, au début, on a un super démarrage. Mais après les quelques étés catastrophiques qu'on a, on a quasi plus de végétation. Et donc, euh, on a essayé de regarnissage avec le, le semi, mais ça ne s'y a pas vraiment, en fait. Mm -hmm. Donc, je voulais savoir s'il y avait une technique particulière, euh, pour ce type de revêtement pour le regarnissage. Mm -hmm. euh... bah souvent, euh, oui. Là, le, le problème, c'est que… Alors, je, je, vais une, je vais en montrer une photo, en fait. Euh, en fait, on, je, je, à, à Angers, euh, on, on a vu qu'il y avait un site qui avait eu le même, le même problème que vous, c'est-à-dire qu'en fait sur un revêtement de, cette manière, de, de ce type-là, euh, voilà, on a eu euh, plusieurs étés très secs où en fait euh, le, bah, le sol, enfin le, le, la terre végétale qui était là-dedans, en fait, s'est compactée tellement que euh, le, les, la ville euh, ne pouvait plus végétaliser, en fait. Euh, donc, euh, donc, en fait, on, le problème qui était euh, était que euh, en fait la terre de la terre était trop euh, alors soit trop euh, trop riche en matière organique ou euh, ou trop riche en, en argile mais du coup en fait elle s'est tellement compactée que euh, que c'était impossible à, à revégétaliser euh, je, en fait il est, bah, du coup je ne pas je pourrais pas me tromper prononcer je, je dirais que bah, la solution c'est c'est malheureusement de devoir décompacter euh, euh, à la main, quoi, mais ça, ça représente une un temps, un temps d'entretien euh, faramineux, quoi. Donc euh, c'est donc soit ça, soit euh, ben, voilà, je n'ai voilà, j'ai pas plus de pas plus d'éléments à dire que <laughs> dessus. Euh, si ce n'est que voilà, c'est au niveau de la conception, euh, bien vérifier, enfin euh, ça, ça appuie l'idée de bien vérifier la qualité de la, de, la terre, euh, de la terre végétale qui est appliquée dans les dans les dalles euh, du revêtement. Donc, souvent, comme je disais, les, les, les fournisseurs euh, ont, leur, euh, ont leur mélange à eux, euh, qui doit respecter les normes chez nous, en tout cas euh, les normes, la norme 44-551 pour l'état végétal. Euh, mais du coup, voilà, pour, pour certains exemples où on avait une, une, peut-être une terre de, de mauvaise qualité, euh, on avait ce, voilà, ce, ce défaut qui pouvait apparaître et qui pouvait euh, bah, ne plus faire que le, le revêtement fonctionne, en tout cas en, sur l'esthétique paysagère, comme, comme euh, escompté. En fait. mmh. Ici, dans, dans ce cas-ci, j'avoue que tout. la terre était vraiment de qualité, on a veillé vraiment à un bon démarrage, on avait arrosé euh, au, au, au mm -hmm. début. C'est dans une zone euh, qui, qui est quand même exposée aux fluides, donc euh, en général, il y a un bon apport. C'est vraiment la sécheresse de, de, de l'été qui fait que... Et là, on redémarre... L'été, on ne peut pas se permettre d'aller arroser tout le temps. Euh, c'était les grandes zones et donc c'était oui voilà s'il y avait euh, une autre méthode pour euh, dire à base de l'arrosage perpétuel en été euh, pour conserver euh, les organismes que de le faire à la main euh, alvéole oui oui mm, mm, mm. non mais je oui je là pour cette pour ce cas de figure là euh... C'est vrai en avait, nous, on n'en avait pas d'autres hormis cet exemple à Angers. Donc, euh, il ouais, faudrait, ouais, faudrait… Là, je n'ai pas la, du coup la, la réponse sur le, la méthode à, à appliquer, en fait. Euh, Peut-être euh, voir avec les, avec les fournisseurs, en fait, ce qu'ils qu en disent. Je ne sais pas, en l'occurrence, là pour, pour votre exemple, ce qu'ils ont, qu ont pu en dire, en fait. Absolument, merci. Ok, merci beaucoup. Et alors, euh, je vois une dernière question. Donc, euh, pour le cas d'enrobé poreux, n'y a-t-il pas de risque de nid de poule Je vois que vous l'envisagez pour des sentiers PMR. Euh, pour l'enrobé poreux, euh, bah, bah, je, en fait, euh, je n'ai pas compris la question pour euh, le lien entre euh, nid de poule et PMR. Euh, je sais je oui. pas si il y un lien, <laughs> mais en enfin, fait, je n'ai je, 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 pas, pas, pas compris la question. Euh, C'est Séverine Danse. Si jamais vous voulez euh, préciser la question en, par oral, ou alors en tout cas, c'était de savoir s'il y avait un risque de, de, de nid de poule avec les enrobés poreux et peut-être les autres. Oui, en fait, j'ai un aménagement euh, pour des personnes handicapées. Et donc, justement, je regarde un petit peu quel sentier euh, est le plus opportun. Aussi, Toujours dans une balance qualité-prix et, euh, et une naturalité, et, euh, aussi mm -hmm. euh, en fait, sur le donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, les revêtements perméables, ce qui euh, donc, euh, alors surtout si vous avez des passages de, de véhicules en fait euh, qui peuvent être assez, assez fréquents, euh, donc c'est des revêtements de surface donc qui sont. Comme, même comme les revêtements imperméables s'abîment au, au cours du temps Mais en fait l'ornierage il est de plus en plus enfin, il, il est surtout important quand vous avez des, du cisaillement au niveau des, des pneus des voitures donc surtout pour les, pour les zones de stationnement euh, donc c'est là qu'il qu y, y a le plus grand risque d'apparition d'ornières euh, après si vous avez juste un passage dédié aux personnes à mobilité réduite euh, enfin, je, pour moi je, enfin, ça réduit quand même le, le risque d'apparition d'ornières ou de voilà ou de, ou de creux quoi donc euh, donc euh, a priori pour juste un, un passage euh, personne à mobilité réduite ça reste suffisant et ouais ça, ça évite le risque euh, mais voilà pour les zones plus de stationnement euh, avec beaucoup de passages euh, là c'est vrai qu'il faut, faut prévoir un, soit, soit prévoir des zones euh, alterner les revêtements pour ne pas avoir euh, l'en au niveau des, des zones de cisaillement des, des pneus euh, donc, euh, donc voilà, en fait, les, les, enfin, les revêtements aussi sont aussi sensibles euh, que les revêtements euh, imperméables, euh, mais c'est voilà, à, arriver à, à gérer leur, euh, leur répartition dans l'espace pour éviter de mettre les plus fragiles aux, aux, aux endroits où il y a le plus de comment de roulement ou le plus de, de, de cisaillement. quoi. Ok, et eh bien s'il n'y a pas d'autres questions, euh, je vous remercie beaucoup, monsieur Dagua, pour cette présentation euh, très complète et intéressante. Et je remercie aussi tous les participants pour avoir euh, bien respecté les règles avec le micro, etc., <laughs> euh, et pour votre participation active. Merci beaucoup à tous Merci. pour votre participation. Merci, Robin. Et euh, donc, euh, on vous enverra le, les slides. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les faire parvenir. Euh... Par, euh, par email, on relayera. Très bien, bah, je, je vous remercie également pour l'organisation du webinaire. Et puis, euh, puis bah, c'est un sujet qui, voilà qu'on va continuer à traiter, nous, de notre côté. Donc, euh, mm -hmm. on, on va communiquer bientôt, euh, prochainement, euh, sur, sur la sortie du livrable, en tout cas. Oui, je pense que ça nous intéressera aussi beaucoup ici. Oui, <rire> clairement. <rire> merci beaucoup. Très bien, merci, bah, merci beaucoup. À, à bientôt, bientôt, au revoir. Au revoir, merci.